Donc ceci est un catamaran pour touristes. La différence entre un catamaran touriste et un catamaran tout court ? C'est les touristes. Bien, José, merci. Alors nous avons rencontré hier soir Ludo. Ludovic est skipper. Il travaille sur ce catamaran et participe en tant que skipper à la sortie en mer dans le lagon. Ludo, ça va ? Merci pour ton accueil. Merci d'avoir plaidé en notre faveur pour pouvoir découvrir ce bateau. Tu nous disais hier qu'il était électrique. Ouais. Mais on peut entendre, ou du moins ne pas entendre, le bruit du moteur. Là, ce que tu entends, c'est juste les hélices, tout à fait. Ouais, c'est tout. Et vous sortez jamais la voile ? Si. De temps en temps ? Si. D'accord. Avec les voiles. Bien sûr, avec les voiles. Quand vous partez plus loin, peut-être. Exactement. Mais là, comme ça, pour 2 heures, non. Donc là, on s'arrête où, là ? Là, c'est l'île aux aigrettes. L'île aux aigrettes, ouais. Ouais, c'est une réserve naturelle. D'accord. Alors, ici, t'as des plantes endémiques. Ouais. Les pigeons des mares. C'est des oiseaux rares, tu vois. D'accord. Qui sont en voie de disparition et qui sont protégés sur l'île. Et après, t'as des tortues. Ouais. C'est des tortues géantes. Ouais. Ouais, ils sont plus de 100 à 200 ans, tu vois. Ils sont d'accord. Des tortues géantes. Ouais. Ils sont sur l'île. Elles sont là aussi. Ouais, t'as les lézards. Et sur l'île Maurice, il y a beaucoup d'endroits comme ça ? Avec des espaces protégés pour les animaux, pour les végétaux ? Oui, t'as l'île aux aigrettes. En fait, c'est une compagnie qui s'appelle Wildlife Foundation. Ouais. Et c'est eux qui protègent. Donc là, nous, on va s'arrêter sur une plage ? Oui, alors ça, nous, on appelle ça une plage. C'est quand la marée basse. Ouais. T'as un espace ? T'as un petit espace avec le sable blanc. D'accord. On va s'arrêter là-bas juste pour voir le coucher de soleil qui est là, tu vois. Ok, ouais. D'accord. Et on va s'arrêter. Et apprécier le coucher de soleil. Nager, ouais, voilà, qui a envie de prendre un petit bain.